Et salut tout le monde et bienvenue sur cet épisode 21 donc de Dead Space 2 Speed Memory qui conclura je pense sans doute notre let's play, enfin notre Speed Memory en tout cas sur Dead Space 2. Voilà, voilà, quelques petits ajustements, ceci étant, j'avais pas trop envie de vous montrer je dessoude, je ressoude, je replace dans mon inventaire, patati patata. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, actuellement on a de la vie, beaucoup de vie, hein, donc j'ai fait des achats. On a des munitions de laser, on a des munitions de javelot, voilà, parce qu'on a repris le javelot, hein, je l'ai ressoudé, machin, tout le bazar. J'ai acheté finalement le fusil d'assaut qui va nous être un petit peu utile, donc. Et on a laissé le lance-flamme, parce que le lance-flamme c'est cool, et c'est tout, parce que c'est sympa. Voilà, toi tu te barres déjà pour commencer. Voilà, toi tu crames. Crame. Très bien. Non, vilain, voilà. Voilà. Donc il est là-haut, du coup, hop. Oh, et d'un. Oh, et de deux. Et il est mort. Très bien. C'est ce qu'on cherchait à faire, ça tombe bien. Voilà, parfait. Toi, viens ici. Ouais, on s'en sort bien, hein. Voilà, je vous avais dit, le fusil d'assaut, ça va être utile. J'avais pas menti. Ça va être pas mal, le fusil d'assaut, hein. La vie va aider aussi pas mal. Allez, crève! Wouhou! Ah! C'est bien, on y arrive bien là. Ça avance. Ah! Voilà! Non! Vilain! Parfait, ça on vire. Allez, faut se barrer plus vite que ça. Lui, il m'a loupé, tant mieux. Parfait. Et du coup, il a cessé de me poursuivre. Ça va me permettre de me soigner un peu, de récupérer un petit peu de munitions. Oh, c'est chaud bouillant là, hein. Voilà, le fusil d'assaut, c'est très bien. Quand on veut se débarrasser de plein d'ennemis, il nous reste plein de soins, ça c'est cool. Hop, du coup, on va faire la petite sauvegarde qui va bien. On va la faire ici. La petite sauvegarde du coeur. Impeccable. Et du coup, on va pouvoir progresser un petit peu. Voilà, esquive ça, enfoiré. Attendez, c'est pas par là que je dois aller, très bien. C'est par ici, ok. Allez, pète-toi, saloperie. Parfait.
exactement ce qu'il fallait qu'on fasse. Ouch! Ah! Enfoiré! Quoi, t'es sérieux là? T'es sérieux dedans ta tête? Franchement, j'ai mâché comme un taré, hein. Le jeu a juste fait non, 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 moi j'ai pas envie. Bon, bah très bien. Ok, pourquoi pas? Non, mais ouais, 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 non, mais si, si. Si, si. Allez, je mâche. Allez, je mâche, bordel. Je vous laisserai pas gâcher tous nos efforts. Loupé. Loupé, et là cette fois-ci mon pote, tu vas bouffer. Tout à l'heure, c'était moi. Maintenant, c'est à mon tour. Fais-moi le malin, hein. Isaac, merci. Adieu, Isaac. Quoi? Saleté. Toutes les mêmes, hein. Je crois pas. Motherfucker, boom! Voilà pourquoi j'avais pris le lance-javelot. Vous comprenez maintenant un petit peu ma stratégie. Et le lance-flamme, c'était au cas où. Ah! Alors? Qui c'est qui a gagné? Hein? Ah bah bordel. Eh bah j'ai bien mérité de me reposer 5 secondes, hein. Ouais. Voilà, c'est donc la fin de Dead Space 2. Allez, on va finir, on va regarder cette dernière cinématique ensemble. Pas mécontent de moi, mais pas forcément super heureux, hein. Je vous avouerai que je pensais vachement connaître le jeu, je pensais avoir vraiment bien retourné le jeu. Pourtant, à l'époque, je l'ai fait et refait, hein. Sacré enfoiré. C'était ça ton plan, mourir seul ici? Ouais, en voilà une autre. Je défonce le toit et je viens te chercher. Tu te mines les fesses. Non, Ellie. Ellie, c'est trop tard. Éloigne-toi d'ici. Non, je veux rien savoir de tes états d'âme. Allez, vas-y. Ah. Alors, c'est pas tout à fait fini en soi, hein. Il nous reste ça. Il nous reste ça. Et qui est un passage qui peut se faire, mais wow, ça passe juste, hein.
Allez, je mâche, hein. Boom! Michael Bay! Eh B. Allez, petite, petite cinématique de fin, là, hein. Et après, je vous livrerai un petit peu aussi mes impressions sur ma propre run. Quoi ? Rien. Ouh, Found Dead Space 2 par Visceral Games, Redwood Shores. Très bien, donc, comme je vous disais, pas mécontent de moi, mais pas forcément super heureux. Je pensais avoir vachement retourné le jeu à l'époque, hein. Pourtant, je vous jure que j'ai bien baroudé dessus. Vraiment, des difficultés justement à retrouver la mémoire, à bien gérer les situations comme... Bon, heureusement, j'ai des restes, hein, c'est-à-dire je sais quelle arme il faut utiliser à partir de quel moment, à peu près, disons. Je sais que le trancheur, c'est valable dans beaucoup de situations, sauf vers la fin, où il sert vraiment à rien. Le lance-flamme, c'est surpuissant, donc faut l'utiliser à outrance. Voilà, je sais que le fusil seeker, ça va être bien pour les passages dans les zones sans gravité. Le lance-javelot, c'est bien sous certaines conditions, voilà. Je connais ces petits trucs-là, mais j'ai eu vachement de mal à gérer certaines situations un petit peu plus compliquées que d'autres. J'ai ragé quelques fois un petit peu aussi, hein, je vous le cache pas. Mais dans l'ensemble, disons que je suis pas forcément mécontent de moi, parce que ça fait quand même quelque chose comme 2 ans, plus de 2 ans que j'ai pas retouché. Je dirais même facilement, ouais, 2 ans et demi. 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans. Voilà, donc imaginons 2 ans et demi. Voilà, vous avez pas touché à un jeu depuis 2 ans et demi et... Et vous vous y remettez, tout en sachant qu'entre deux, vous avez fait plein d'autres jeux. Et ben, si on regarde 21 épisodes, et encore, là, on n'est clairement pas sur un quota de 25 minutes, comme je fais d'habitude. On a eu quelques épisodes qui étaient un peu plus courts, donc on peut considérer, voilà, on est à proche de pas loin de 7 heures. Donc un petit peu moins de 7 heures de jeu. Et ben, j'ai envie de dire que pour un jeu qui est censé être 8 heures de jeu, normalement, hein, on est d'accord que on s'accorde à dire que pour une première expérience, 8 heures de jeu, c'est un premier bon speedrun si on connaît pas le jeu. Je trouve que justement, j'ai gagné 1 heure. Voilà, j'ai gagné à peu près 1 heure de jeu. Avec rien qu'avec ma mémoire, donc voilà, donc ouais, plutôt content. Et ben voilà, ben écoutez, c'est donc sans pitié que je vais vous abandonner sur cette fin de Speedrun by Memory, donc Speed Memory Dead Space 2. On reprendra un autre jeu que j'ai déjà installé, qui est déjà prêt, qui est déjà... j'ai hâte de commencer d'ailleurs, on va bien se marrer. Je vous laisse la surprise, hein, ça va être très drôle. Mais voilà, on va se retrouver pour un autre Speed Memory, donc un autre Speedrun by Memory sur un autre jeu. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort, et surtout, hashtag amour viril. Hell yeah.